Je poursuis mon analyse de la phrase. Je remarque que le mot la est écrit à deux reprises. C'est un mot qui est appris dès la première année et qui est fréquemment écrit dans les phrases. Alors, là, je remarque qu'à droite, il y a le mot robe et ici, à droite de là, il y a le mot dame. Je vais utiliser le logiciel de la syntaxe interactive pour faire les manipulations syntaxiques pour trouver ma classe de mots. Alors, pour vérifier si ce mot est un déterminant, j'utilise le remplacement. Pourquoi je pense que c'est un déterminant? Parce qu'à droite de là, il y a le mot robe. Robe est un nom commun puisqu'on peut dire une robe, des robes. On peut mettre un déterminant devant le mot robe, donc c'est un nom commun. Maintenant, dame, je sais aussi qu'on peut dire une dame, des dames, la dame. Donc, dame est aussi un nom commun. Donc, à gauche du nom commun, ce serait bien un déterminant. Je vais tout de même utiliser la manipulation du remplacement. La robe, c'est au féminin. Je vais utiliser une qui est au féminin. Je remplace la par une. Je lis le bout de ma phrase. Il a escaladé une robe de la dame. Ça se dit, donc c'est bien un déterminant. Le la est bien écrit. Maintenant, je vais remplacer l'autre la par une. Ici, il a escaladé la robe de une dame. Oh, ça ne se dit pas bien, mais je vais tout de même. Il y a deux voyelles qui se suivent. Alors, je vais ajouter ici le D apostrophe, puisque c'est peut-être juste parce qu'il y a deux voyelles qui se suivent que ça ne se dit pas bien. Alors, je remplace maintenant. Je vais recommencer ma manipulation. Je vais faire d'une et là, je vais remplacer les deux mots. Alors, est-ce qu'on peut dire il a escaladé la robe d'une dame? Oui, tout à fait. Donc, là est bien un déterminant puisque le la peut se remplacer par le déterminant une. C'est seulement le mot une qui est le déterminant. J'ai été obligée de mettre le D pour faire une apostrophe à l'intérieur, mais c'est vraiment une qui est le déterminant qui remplace le mot là, qui est aussi déterminant.